27 mars 2012. Sur le vol JetBlue 191 reliant New York à Las Vegas, un homme affolé tente de pénétrer dans le cockpit. Plusieurs caméras filment la scène sous différents angles. Mon Dieu, je suis désemparé. Il y a Israël, mon Dieu, il y a l'Irak. Il y a Israël, il y a l'Irak, il faut atterrir, il faut atterrir. Lori Diu est une des passagères du vol JetBlue. Il hurlait, je suis désemparé. Oh mon Dieu, je suis désemparé. Il y a Israël, il y a l'Irak. Il y a Israël, il y a l'Irak, il y a Israël, il y a l'Irak. Cet avion doit se poser. Il faut atterrir tout de suite, tout de suite. C'est là que plusieurs hommes se sont rués à l'avant de l'appareil et ont neutralisé le type en quelques secondes. Sur les images, l'homme est maîtrisé par un ancien membre de la police de New York et des agents de sécurité qui se rendent à une conférence à Las Vegas. Leur promptitude a permis d'éviter un désastre potentiel. Car l'homme qui est plaqué au sol n'est pas un passager. C'est le commandant de l'appareil, un pilote qui navigue sur cette compagnie depuis plus de 10 ans. On a tendance à prendre les pilotes pour des gens inébranlables. On sait qu'ils sont humains et qu'ils ont une énorme responsabilité. Pourtant, à chaque fois que nous prenons l'avion, nous dépendons des compétences d'un autre. Mais nous estimons que le pilote nous mènera à bon port. C'est vraiment un acte de foi. Voyant le comportement étrange du commandant, le copilote l'a exclu du cockpit. Ce dernier se pose d'urgence à Amarillo, au Texas, une fois que les passagers ont neutralisé son supérieur. Là, le commandant est pris en charge par une équipe médicale et placé en garde à vue. 8 mois plus tard, le commandant sera disculpé. Les expertises ont démontré qu'il a été victime d'un épisode psychotique dû au manque de sommeil. Cependant, le tribunal prononcera à son encontre une interdiction permanente de voler ou de monter à bord d'un appareil sans autorisation judiciaire. Cet épisode démontre un fait simple mais essentiel. En dépit de nos attentes, les pilotes ne sont pas des surhommes qui ne font jamais d'erreurs. Le matériel est devenu plus fiable au fil du temps, qu'il s'agisse des moteurs ou du fuselage. Mais l'humain, lui, est resté le même. Lors d'un atterrissage, on peut réellement tester les capacités d'un pilote. Régime de ralenti, vol rectiligne, manche pilote stable, tire doucement, encore un peu. Manche pilote stable. Manche pilote stable. Manche pilote stable à 65. Plus du tiers de tous les accidents survient lors de ces ultimes secondes. L'atterrissage est une phase dangereuse parce qu'on approche du sol à grande vitesse et il faut être très précis. Une petite erreur lors de l'atterrissage peut entraîner de gros problèmes. Le commandant doit poser un appareil de plus de 100 tonnes rempli de passagers sur une bande de tarmac de 45 mètres de large et 3 km de long. Pour n'importe quel pilote, c'est le moment de vérité. Maintenant, imaginez devoir poser un appareil avec des rafales de vent qui balayent la piste en travers. Dans une soufflerie, on comprend mieux pourquoi les pilotes préfèrent se poser nez au vent, s'ils ont le choix. Ici, le nez de la maquette est orienté face au vent. Des conditions idéales pour tout pilote.
Grâce à ce fumigène, on distingue l'écoulement d'air régulier autour du fuselage et des surfaces de gouverne, ce qui permet au pilote d'avoir le contrôle total de l'appareil. La maîtrise est essentielle lors des phases les plus risquées du vol que sont le décollage et l'atterrissage. Mais l'atterrissage par vent latéral est plus exigeant, car le vent déporte l'appareil. Il existe des techniques spéciales que les pilotes doivent maîtriser afin de se poser en toute sécurité par de telles conditions. Et là, certains pilotes sont meilleurs que d'autres. Le but est d'amener l'appareil né au vent afin de voler en ligne droite. Ce schéma montre que l'avion approche de la piste légèrement en diagonale. Au dernier moment, à quelques mètres du sol, le pilote appuie sur la pédale de palonnier pour aligner l'appareil au-dessus de la piste. Ça peut être difficile, mais c'est gratifiant lorsqu'on y parvient. Certains des meilleurs atterrissages sont réalisés dans les pires conditions parce qu'on est extrêmement concentré sur l'approche. Birmingham, en Angleterre. Un puissant vent latéral rend l'atterrissage cauchemardesque. À quelques mètres du tarmac, les pilotes de ce vol interrompent l'atterrissage. Un autre appareil approche et parvient à se poser. Le premier avion essaye à nouveau. Nouvel échec. Il finira par atterrir sans incident. Dans la foulée, un troisième appareil se pose à son tour. Comme dans d'autres domaines, il existe des pilotes de tout niveau. Il y a d'excellents pilotes et d'autres qui sont moins bons. Mais tous ont un certain niveau de qualification pour piloter les avions modernes. Il y a un minimum requis en termes de compétences, mais il y a toujours des écarts d'un individu à un autre. Aujourd'hui, il faut 1500 heures de vol pour devenir pilote de ligne. Cela semble beaucoup, mais en pratique, c'est moins que dans le passé. Les pilotes de ligne arrivent avec de moins en moins d'heures de vol. Il fut un temps où les compagnies exigeaient un minimum de 5000 heures. D'autre part, leurs aptitudes sur le terrain vont décroissant. Moins vous passez de temps dans un avion, moins vous êtes qualifié. Les compétences viennent avec le temps. L'industrie aéronautique estime que ces quotas sont réalistes. Après tout, la technologie est supposée prendre le relais. Le problème, c'est que dans des circonstances difficiles, comme un atterrissage par vent latéral, il y a des choses qu'un pilote expérimenté saura faire, qu'aucun pilote automatique ou novice ne serait en mesure de réaliser. Des compétences solides qui peuvent sauver des vies. Une partie du problème est liée au cadre de formation des pilotes. Jusqu'à la fin des années 80, 90% des pilotes américains étaient issus de l'armée. Aujourd'hui, 90% sortent d'écoles professionnelles. Peut-on décemment comparer une salle de classe civile à l'entraînement pratique que délivre l'armée ? J'ai heurté des oiseaux. Pour mieux comprendre les vertus de l'expérience pratique, prenons l'exemple de ce qui s'est passé dans le ciel de New York en 2009, lorsque deux pilotes ont été contraints de poser leur avion de ligne sur le fleuve Hudson. "208 secondes se sont écoulées entre le moment où nous avons perdu les réacteurs et l'amerrissage. J'étais un pilote de chasse, la crème de l'aviation stratégique militaire.
C'est un métier où il faut faire preuve de dévouement, de discipline, de compétence et d'un esprit d'équipe. Mon expérience et ma formation m'ont permis de m'adapter à la situation pour résoudre rapidement un problème auquel je n'avais jamais été confronté ni préparé. Les Sully Sullenberger du monde, le commandant de l'amérissage miracle sur l'Hudson, qui a posé son gros appareil sur l'eau, sont une espèce en voie d'extinction. Lui et son copilote ont été formés dans l'armée. Les chances d'avoir un tel équipage aujourd'hui sont quasiment nulles. Mais si les pilotes sont le talon d'Achille, pourquoi ne pas limiter les dégâts qu'ils pourraient occasionner ? C'est justement ce que les industriels ont voulu faire en construisant des appareils de plus en plus sophistiqués où les ordinateurs gèrent l'essentiel du vol. 1er mars 2008. Les pilotes du vol 44 de la Lufthansa en provenance de Munich, avec 132 passagers à bord, tentent de se poser à Hambourg par un vent latéral violent. Sur un A320, il est recommandé de ne pas se poser par un vent latéral dépassant 38 nœuds. La vitesse constante est inférieure à ce seuil, mais certaines rafales dépassent les 47 nœuds. La descente était une montagne russe. L'avion était ballotté dans tous les sens. Autour de moi, personne ne bronchait. Pas de cris, pas de hurlements, pas de pleurs. Je crois que personne ne respirait. Ce que les passagers ignorent, c'est que ce n'est pas le commandant de bord qui pilote. Il a confié le soin d'atterrir à sa copilote de 24 ans, qui n'a que 579 heures de vol. À travers mon hublot, j'ai vu le bout de l'aile heurter la piste. Puis la piste a disparu. L'appareil a dû être balayé de côté, de sorte que je ne voyais que le sol. À cet instant, j'ai entendu le vrombissement des moteurs et les pilotes ont mis les gaz pour interrompre l'atterrissage et reprendre de l'altitude. Après avoir frôlé la catastrophe, les pilotes du vol 44 de la Lufthansa se posent après leur seconde approche. Je ne peux pas décrire le soulagement que j'ai éprouvé lorsque l'appareil s'est posé. Tout le monde s'est réjoui parce qu'il fallait relâcher tout le stress et la peur qui s'était accumulée. Et la tension retombe en un instant. L'incident ressemble à un cas classique de pilote inexpérimenté ne parvenant pas à se poser par vent latéral. Mais le rapport du bureau allemand d'enquête sur les accidents d'avion a dévoilé un fait surprenant. Grâce à un simulateur de vol, un pilote d'Airbus chevronné nous révèle ce qui s'est réellement passé dans le cockpit. Vers 900 pieds, le copilote est passé en manuel pour se familiariser avec l'approche. En ce moment, le vent qui vient de la droite avoisine les 40 nœuds. Je manœuvre au gré des rafales. La piste se rapproche, je commence à m'aligner, je coupe les gaz. Comme lors du vol, tout commence subitement à flancher. Le manche est incontrôlable, alors je remets les gaz pour reprendre de l'altitude. Alors que le pilote est sur le point d'atterrir, il semble perdre le contrôle de l'appareil. Afin de révéler le dysfonctionnement, il fige le simulateur sur la face critique, au moment précis où le train d'atterrissage gauche touche brièvement le sol. L'avion est équipé d'un système qui coupe la commande de roulis de 50% dès qu'une roue touche le sol. Un dispositif qui est censé aider les pilotes en atténuant tout geste brusque lors des secondes cruciales qui suivent l'atterrissage. Mais les conditions extrêmes vont révéler les limites de ce système. Ils ont essuyé une brusque rafale de vent venant de la droite. L'aile s'est soulevée et le copilote a basculé le manche vers la droite.
Mais comme le train d'atterrissage est déjà au sol, la manœuvre de redressement de l'appareil est amputée de 50%. Privés de la moitié du contrôle de roulis, les pilotes ne peuvent empêcher l'aile gauche de heurter le tarmac. Ils ont choisi la bonne option, la seule dont ils disposaient, celle de redécoller. Ils ont mis les gaz et ont repris de l'altitude. Leur action a empêché l'appareil de s'écraser. Ainsi, dans les conditions extrêmes qui régnaient ce jour-là à Hambourg, le système initialement prévu pour éviter une erreur de pilotage a failli provoquer une catastrophe. Mais ce qui est pire, c'est que les deux pilotes et le centre de formation de la Lufthansa ignoraient l'existence de ce dispositif de sécurité. L'enquête a conclu que les pilotes n'étaient pas responsables. Le constructeur a justifié la présence du dispositif en indiquant qu'il permettait d'atténuer les gestes brusques des pilotes lors de la phase finale de l'atterrissage. Les enquêteurs ont conseillé au constructeur de mettre à jour son manuel de vol afin d'inclure les détails concernant la réduction des commandes de vol lorsque les roues touchent le sol. Les constructeurs s'efforcent d'accroître la sécurité, notamment à travers l'automatisation. Mais au fur et à mesure que la technologie envahit l'espace du cockpit, le rôle des pilotes change. Aujourd'hui, le pilotage automatique gère 75 à 80% de la durée de vol, laissant beaucoup de temps libre aux pilotes. Ce qui suscite des problèmes d'un autre ordre. Descend, descend. Northwest 188, contactez Minneapolis, centre 124.87. Northwest 188, contactez Minneapolis, centre 124.87. Northwest 188, contrôle radio. Est-ce que Northwest 188 a communiqué ? Non. Je vais le trouver. Reçu. Northwest 188 est Nordo. En 2009, le vol Northwest 188 reliant San Diego à Minneapolis avec 147 passagers à bord ne répond pas aux appels du contrôle aérien et il est signalé Nordo. Nordo est le terme employé dans l'aéronautique pour indiquer qu'un pilote n'est en contact avec aucun système de contrôle aérien. Cela veut dire no radio contact. Northwest 188. Northwest 188. Les deux pilotes ne sont plus en contact radio avec le contrôle aérien depuis une heure. Les contrôleurs savent où se trouve l'appareil. Ils connaissent son altitude, sa latitude et sa longitude. Ils le voient sur l'écran radar, mais pour une raison encore inexpliquée, ils ne parviennent pas à entrer en contact. Toujours rien. Oui, il doit se poser à Minneapolis. Quelle est la procédure s'il ne parle à personne? Il patiente au-dessus de l'aéroport? Non, je ne sais pas. Ils sont injoignables? Ils sont injoignables. Le vol Northwest 188 se trouve maintenant à 250 km au-delà de Minneapolis, sa destination finale. Dans le pire des cas, ce pourrait être à nouveau en septembre. Les contrôleurs ont forcément ça en tête. Dans la crainte d'un détournement et d'un nouveau 11 septembre, l'armée américaine se prépare à faire décoller d'urgence des chasseurs pour intercepter l'appareil. Les contrôleurs sollicitent l'aide d'un autre pilote de Northwest Airlines. Basculez sur la fréquence 126.322632 et émettez sur Northwest 188 pour joindre cet appareil, s'il vous plaît. Reçu, on essaye. Et puis enfin... Ici Northwest 188. Après 1 heure et 18 minutes de silence radio, le vol 188 de Northwest Airlines contacte le contrôle aérien de Minneapolis. Northwest 188, ici le centre du Minneapolis, à vous. Reçu, on a été distrait et on a survolé Minneapolis. On est au-dessus d'Eau Claire et on voudrait virer à 180 degrés. Je dois vérifier que le cockpit est fiable. RAS, on a été distrait. Pouvez-vous brièvement expliquer ce qui s'est passé? Ce sont des histoires de cockpit. Pouvez-vous être plus précis? Nous évoquions des questions relatives à la compagnie. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Dans ce cas précis, la dépendance accrue vis-à-vis des systèmes automatisés a altéré la concentration des pilotes, ce qui a entraîné une erreur.
Dans le cas du vol Northwest 188, deux pilotes ont dépassé leur destination de 160 km. Ils n'ont pas répondu au contrôle aérien pendant plus d'une heure. Et en fait, ils n'ont même pas réalisé qu'ils avaient survolé leur destination jusqu'à ce qu'une hôtesse les appelle pour leur demander s'il fallait préparer la cabine pour l'atterrissage. Ils travaillaient sur leurs ordinateurs portables et discutaient de leurs affectations de vol. À la suite de cet incident, les deux pilotes se sont vus retirer leur licence de manière définitive. Ce n'est pas un cas isolé. L'inattention des pilotes est un phénomène croissant. On a vu des pilotes envoyer des SMS pendant qu'ils roulaient au sol. Des pilotes dans l'aviation générale ont passé des coups de fil qui ont entraîné des crashs. L'inattention est un gros problème. En 2011, au-dessus de Houston, un pilote de Southwest Airlines ne réalise pas que son micro est branché. J'ai fait Tucson, Indianapolis, 4 semaines d'affilée. L'équipage venait de Chicago. J'ai eu 12 personnels navigants différents, jamais deux fois la même personne. Dans le cockpit, sa conversation privée inonde les ondes radio de diatribes homophobes et sexistes. 11 putains d'homos et une grand-mère. Tu te rends compte? 11 homos et une grand-mère. Il émet vers le contrôle aérien et vers tous les appareils sur la même fréquence. 11? Non mais c'est complètement dingue. Je croyais qu'on ferait la fête à Chicago. Résultat, je suis allé 3 fois dans un bar en 6 mois, dont une fois avec la grand-mère et l'homo. J'ignore qui parle, mais surveillez vos propos. Maintenant, je suis de retour à Houston, une des bases les plus moches. Il n'y a que des vieux cons, des grand-mères, et au mieux, une poignée de jolies gonzesses. Quelqu'un a son micro coincé et nous déballe sa vie privée. On s'en passerait. C'était pas nous. Et on se demande pourquoi les pilotes de ligne ont mauvaise réputation. En montrant qu'il ne maîtrisait pas ses commandes, le pilote a potentiellement mis en danger son vol. En déversant son discours de haine sur les ondes, il a mis en péril chaque avion dans l'espace aérien. Il a été suspendu par sa compagnie et contraint de suivre une formation sur la diversité des genres. Aujourd'hui, la conception des appareils, et plus largement de l'industrie en général, ne tient pas compte du facteur humain, du rôle et des limites de l'homme. On part du principe que la conception de systèmes automatisés va faciliter les choses, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Dans quelle proportion l'automatisation contribue-t-elle à l'ennui et à l'inattention des pilotes? Pour certaines de nos études, des pilotes ont effectué des vols long courriers dans le cockpit avec la consigne d'identifier des cibles, en gros, d'autres appareils alentour. Après 3 ou 4 heures de vol, ils devaient compter le nombre d'avions qu'ils voyaient. Eh bien, les pilotes déclaraient avoir vu 7 ou 8 appareils, alors qu'il y en avait eu 15. Il s'est donc produit quelque chose. Ils ne dormaient pas, mais ils n'étaient pas attentifs. Il est indiscutable que l'ennui engendre l'inattention, laquelle à son tour peut entraîner une erreur au niveau du cockpit. Et lorsque les erreurs ne sont pas rectifiées, elles peuvent occasionner des catastrophes. Aujourd'hui, les vols long courriers sont les plus délicats. Les systèmes automatiques gèrent l'essentiel du vol et les pilotes sont assis à surveiller le dispositif au cas où il y aurait un dysfonctionnement, ce qui arrive peut-être une fois sur 10 000. La parfaite symbiose entre les pilotes et les ordinateurs de bord est un équilibre délicat à trouver. Une trop grande dépendance vis-à-vis de l'automatisation peut mener à l'ennui et à la distraction. Mais ce n'est pas l'unique problème qui menace cette relation. De nos jours, les pilotes doivent maîtriser non seulement l'avion, mais son cerveau, le pilote automatique. Les performances accrues des ordinateurs de bord sollicitent davantage les pilotes lors des phases clés du vol. C'est ainsi que la complexité croissante augmente les risques de dysfonctionnement. À tout de suite. Ça va être la plus grande aventure de l'histoire humaine. Je vois la planète rouge. Mars, votre série événement, le 20 novembre sur National Geographic Channel.
instinct de séduction. À partir de 149€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Private Sport Shop, le meilleur des marques de sport en vente privée. Retrouvez vos marques au meilleur prix sur privatesportshop.com. Aujourd'hui, les jouets ont besoin de piles toujours plus puissantes. Duracell Ultra Power est conçu avec un design triplement optimisé qui offre à vos jouets un maximum d'énergie pour mieux fonctionner. Donnez vie à vos jouets Disney la Reine des Neiges. Duracell Ultra Power, notre pile alcaline qui dure le plus longtemps. L'argent sera sur mon compte d'ici la fin de la semaine. J'ai même pas eu besoin de faire le contrôle technique. Le paiement est très rapide et sécurisé. Vendez votre voiture. L'estimation en ligne facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site vendezvotrevoiture.fr. Simple, rapide et efficace. T'as rien oublié du tout. C'est pour ça que tu fais encore des cauchemars. Cette histoire te hantera toujours, Jackie. Ce que vous voulez, c'est commettre un crime. Commettez la première justice ! Découvrez Game of Silence, la nouvelle série thriller, en exclusivité sur 13ème rue. Succombez au charme d'une Italienne. Osez rêver. Et n'écoutez que son cœur. Découvrez Alfa Romeo Giulia à partir de 29€, garantie 3 ans, 100 000 km. Et pendant les journées nouveautés, Alfa Romeo profitez d'offres exceptionnelles sur la nouvelle Mito et la nouvelle Giulietta. Février 2009. Le vol 1951 de Turkish Airlines se pose en catastrophe avant d'avoir pu atteindre la piste de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Quelques instants après l'impact, un témoin oculaire filme le désastre. Il y a 9 victimes parmi les 135 passagers, dont les 3 pilotes. L'enregistrement des boîtes noires révèle une inquiétante série de dysfonctionnements. Dans le simulateur, il est possible de recréer les derniers instants du vol. Le jour du drame, il y avait 3 pilotes sur le pont. Le commandant de bord, qui avait en outre la mission de former son copilote, et un troisième pilote qui les assistait. Ce n'était pas une approche ordinaire. L'équipage travaillait dur et la météo n'était pas idéale. Le commandant n'avait pas terminé la checklist d'atterrissage, le copilote était en formation, ils étaient en contact avec le contrôle aérien. Bref, il se passait beaucoup de choses. Pour ne rien arranger, un des altimètres fonctionne mal. Il indique des données d'altitude inexactes durant tout le vol. Ce dysfonctionnement conduit le pilote automatique à réduire la puissance. L'appareil ralentit alors qu'il n'est qu'à 150 mètres d'altitude. Mais la piste est encore à 5 km. L'appareil volait bien en dessous de la vitesse normale d'approche. Au lieu de voler à 145 nœuds, sa vitesse avoisinait les 100 nœuds avant que l'équipage ne réalise ce qu'il se passait. C'est un cas classique de surcharge de travail au moment de l'atterrissage. Alors qu'il affronte une mauvaise météo, le commandant doit superviser son copilote et terminer sa checklist. Mais lorsqu'une commande de sécurité indique que la vitesse est dangereusement réduite, l'équipage réalise ce qui est en train de se passer. Bon sang! Le vibreur de manche s'est déclenché. Le copilote pousse la tête du manche pilote vers l'avant, abat la manette de puissance, puis le commandant prend le contrôle. Mais c'est trop tard! C'est trop tard! Le crash du vol 1951 de Turkish Airlines aurait pu être aisément évité si seulement un des 3 pilotes présents à bord avait jeté un œil sur l'indicateur de vitesse.
la vitesse est fondamentale lors d'un vol. Alors pourquoi aucun des pilotes n'a-t-il remarqué ce qui se passait? Mais derrière ce qui semble s'apparenter à une banale erreur de pilotage, se profilent peut-être les limites de ce que nous sommes en droit d'attendre de la part des pilotes. Les scientifiques du Collège universitaire de Londres mènent des recherches sur les performances du cerveau humain lors de périodes d'activité intense. À l'aide d'un IRM classique, les chercheurs peuvent étudier l'activité du cerveau lorsqu'il est soumis à une charge de travail importante. Vous allez voir des mots au centre et un champ de points mobiles autour des mots. Ce volontaire doit identifier des mots de deux syllabes qui apparaissent sur un écran situé devant lui. C'est un exercice qui requiert un gros effort de concentration. Les mots sont entourés d'un champ de points mobiles sans rapport avec l'exercice, mais essentiel à l'expérience. D'ordinaire, lorsque nous regardons des objets en mouvement, c'est notre cortex visuel qui est sollicité. Mais lorsqu'il s'agit d'identifier des mots de deux syllabes au milieu d'un écran, une autre partie du cerveau prend le contrôle et exclut le cortex visuel. Lorsque cela se produit, le sujet ne distingue plus le mouvement et cesse de remarquer les points mobiles. C'est comme si cette partie du cerveau s'éteignait à cause de la surcharge. Dans des conditions extrêmes, la quantité de données que les pilotes doivent assimiler et interpréter est si importante qu'ils peuvent négliger les choses les plus élémentaires. Dans le cas du vol 1951 de Turkish Airlines, ce fut la vitesse de l'appareil. Le plus gros problème auquel les pilotes sont confrontés de nos jours, c'est la quantité impressionnante d'informations à traiter. L'automatisation peut avoir des effets accablants. Par conséquent, le cerveau ignore certains détails, mais sans vous le dire. C'est là que réside le problème. On ne reçoit qu'une partie des informations, mais le cerveau remplit les cases vides. Au cours de la dernière décennie, les incohérences liées à la relation pilote-ordinateur de bord ont joué un rôle dans plus de 30% des accidents d'avion. C'est trop tard, c'est trop tard. On pourrait affirmer que les appareils sans équipage sont finalement plus sûrs, que les vols entièrement automatisés sont désormais possibles. Cependant, je ne connais pas un passager, moi le premier, qui monterait à bord d'un avion sans pilote aux commandes. Vous le feriez-vous? Mais à présent, un autre facteur entraîne les équipages de vol à commettre des erreurs. Alors qu'ils sont déjà le maillon faible du système, les pilotes sont trop souvent épuisés lorsqu'ils pénètrent dans le cockpit. Et la fatigue peut s'avérer meurtrière. Oui. 12 février 2009. Oui. Un adolescent filme ses images sur son téléphone portable quelques instants après le crash d'une navette aérienne sur une maison de banlieue. C'est un vol régional entre Newark et Buffalo, dans le nord de l'État de New York. Le commandant Marvin Renslow, sa copilote Rebecca Shaw et les 49 passagers périssent tous dans le crash. Les indices récupérés dans les boîtes noires permettent aux enquêteurs de reconstituer l'ultime enchaînement d'événements qui a entraîné la catastrophe. Ce qu'ils découvrent donne un aperçu troublant sur le mode de vie des pilotes. 4,8 km de Clump, virage à gauche, cap 260, maintien 2300 jusqu'à localisation radio phare. Approche ILS, piste 2-3. À ce stade, l'équipage débute son approche finale vers la zone de Buffalo.
Et il attend de pouvoir s'aligner sur la piste. Approche en cours. Reçu. Train sorti, balise OK. Gauche 260, 2300, autorisation ILS 23, approche Colgan 3407. 3407, contact plus bas, 120.5, bonne nuit. Train sorti. Laissez voler, checklist avant atterrissage. Tandis que les pilotes entament leur approche finale, le commandant réduit la vitesse de l'appareil avant l'atterrissage. Brusquement, le manche pilote se met à vibrer et le pilote automatique se déconnecte. C'est un système d'alerte qui indique que l'appareil vole trop lentement. Le vibreur de manche est un détecteur de décrochage. Il fait vibrer le manche à la manière d'un téléphone portable. À la vitesse de 130 nœuds, l'appareil est encore bien au-dessus de la limite de décrochage de 107 nœuds. À ce stade, le commandant tire le manche vers lui au lieu de le pousser vers l'avant. Lorsqu'un appareil est sur le point de décrocher, le pilote est censé accroître la vitesse en poussant le manche vers l'avant, ce qui fait plonger le nez de l'avion, et mettre les gaz pour donner de la puissance. Mais le commandant fait exactement le contraire. Il tire sur les commandes. C'est pas vrai! Volet sorti! Je remonte le train? Remonte-le! On va toucher! On va toucher! Colgan 3407, Buffalo. Colgan 3407, Buffalo, vous me recevez? Cet appareil était à 8 km et brusquement on l'a perdu. C'est l'accident le plus important des 10 dernières années sur le sol américain. Mais il aurait facilement pu être évité. Ce qui a fait décrocher l'appareil, c'est la réaction inadaptée du commandant au vibreur de manche. Il a été surpris par le déclenchement du vibreur. Comment le commandant Marvin Renslow et sa copilote Rebecca Shaw ont-ils pu faire une erreur si basique? Selon les éléments que nous avons trouvés, les deux pilotes étaient épuisés au moment du crash. La fatigue affecte les performances à plusieurs titres. Elle augmente le temps de réaction, elle altère la prise de décision. Le problème avec la fatigue, comme dans d'autres formes de défaillance, c'est que nous ne sommes pas à même de juger de notre propre niveau de déficience. Afin de découvrir pourquoi le commandant Renslow et la copilote Shaw étaient si épuisés, les enquêteurs du Conseil national de sécurité des transports ont étudié les activités des deux pilotes au cours des 72 heures qui ont précédé l'accident. Ils ont découvert qu'ils avaient parcouru de longues distances pour aller travailler. Renslow s'est rendu de la Floride à New York et accomplissait déjà son troisième jour de service. Shaw est parti de Seattle via Memphis et a passé la nuit précédente sur un strapontin d'équipage, soit un trajet aller de 4800 km. Qui plus est, le jour de l'accident, aucun des deux pilotes n'a dormi dans un hôtel. Ils ont dormi dans le salon des équipages de l'aéroport de Newark. Un choix vivement déconseillé par la compagnie et peu adapté à la préparation d'un vol de nuit. Tout le monde a déjà volé de nuit et sait à quel point c'est désagréable. Imaginez que vous devez travailler le lendemain, que vous devez vous lancer dans la nuit aux commandes d'un appareil après une expérience pareille. Le mode de vie d'un grand nombre de pilotes de compagnies régionales pourrait expliquer les erreurs commises par les pilotes d'Air Colgan et révéler si de nos jours voler fatigué est une fatalité inéluctable dans cette profession. Les jeunes pilotes soucieux d'engranger des heures de vol débutent généralement dans de petites compagnies régionales où le salaire de base est très bas. Certains de ces pilotes font de longs trajets pour se rendre au travail et doivent donc trouver un endroit bon marché pour se loger quelques nuits. N'ayant pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel, certains d'entre eux louent un lit à plusieurs dans des foyers. C'est une réalité. J'ai connu plusieurs pilotes qui, en attendant de prendre du galon, partageaient une couchette. Un pilote se lève pour aller travailler et l'autre se glisse dans les draps parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un endroit décent.
Quand j'ai débuté, je gagnais 12-13 000 euros par an. Ça a été le cas pendant deux ans. Je faisais la navette entre Milwaukee, la côte Est et Houston pendant toute la durée de mon contrat avec Colgan Air. C'est dans ce genre de quartier qu'on trouve des piolous logés. C'est abordable, facile d'accès depuis l'aéroport. Bref, c'est viable économiquement. Ce sont plutôt des quartiers malfamés, où les gens vont et viennent à toute heure du jour et de la nuit. Ces images ont été prises à l'intérieur d'un vrai dortoir où les pilotes sont entassés dans des chambres minuscules sur des lits superposés. Il y a peu d'intimité et il est rare d'y passer une bonne nuit de sommeil. Dans un petit appartement de 2 ou 3 pièces, il pouvait y avoir entre 8 et 20 couchages. Parfois jusqu'à 6 ou 8 couchages dans un 2 pièces. Il y a mieux pour passer une bonne nuit de sommeil. Il était temps que l'industrie aéronautique se penche sur le problème de la fatigue et agisse. Pendant des décennies, la NTSB a enquêté sur des accidents où la fatigue était un facteur aggravant. Mais les règles et les pratiques n'ont pas changé. En 2011, la FAA, chargée de la réglementation de l'aviation civile, a proposé de nouvelles mesures qui doivent entrer en vigueur en janvier 2014. Ces mesures sont destinées à lutter contre la fatigue en réduisant de 16 à 14 le nombre d'heures de service des pilotes. Il a été également décrété que les pilotes doivent bénéficier de 10 heures de repos entre les rotations. Mais certains partisans estiment que cette réglementation n'est pas assez stricte et néglige en grande partie le problème des pilotes obligés de faire la navette. Malheureusement, dans ce domaine, et notamment dans le secteur régional, de nombreuses compagnies se sont efforcées d'affaiblir, de retarder ou d'abroger ces initiatives essentielles à la sécurité. Car certains les jugent trop lourdes ou trop coûteuses. Ce qui n'est pas le cas. L'économie et la sécurité sont liées. Nous devons faire en sorte que l'économie de l'aviation civile puisse soutenir cette profession importante de manière viable. Il est indispensable que les pilotes disposent du temps nécessaire pour se reposer avant chaque vol. Nos passagers le méritent. C'est ce qu'attendent nos collègues et c'est ce que la profession exige. Mais les complications liées à la fatigue ne concernent pas uniquement les compagnies régionales américaines. C'est un problème à l'échelle globale. Ce pilote a été filmé alors qu'il s'est endormi en plein vol. Ce n'est pas un cas isolé. La fatigue peut affecter les pilotes sur les vols du monde entier. Je me suis endormi dans la cabine de pilotage à plus d'une reprise. Mais un exemple précis me vient à l'esprit. Ce jour-là, lorsque je me suis réveillé, j'ai constaté que mon copilote était endormi lui aussi. Nous avions sombré tous les deux en même temps. C'est effrayant de penser que les deux pilotes somnolaient et que personne ne gardait la boutique. Lors d'une récente enquête, nous avons demandé à 500 de nos pilotes s'il leur était arrivé de s'endormir involontairement dans le cockpit. 43% ont répondu oui. Mais sur ces 43%, 31% ont déclaré qu'à leur réveil, ils avaient trouvé leur copilote endormi. On arrive à un stade où les pilotes sont inquiets. Et si les pilotes sont inquiets, les passagers ont de quoi l'être. Pour un pilote en pleine possession de ses moyens, il n'est déjà pas facile d'être subitement confronté à une situation extrême après des heures d'inactivité. Le défi est encore plus grand lorsqu'on est épuisé. Alors que l'avion n'a jamais été aussi sûr, l'aviation est-elle prise dans un cercle vicieux? Avec la croissance de l'industrie aéronautique, les appareils évoluent. La nature des erreurs de pilotage aussi. De toute évidence, le rôle croissant de la technologie contribue à éroder les compétences intrinsèques des pilotes. Le rôle que nous leur demandons de tenir comporte désormais des tâches exigeantes, comme la surveillance de systèmes informatisés durant des heures, et dans certains cas, de voler dans un état de fatigue avancé. Nous avons cru que les pilotes étaient des super-héros à cause des films que nous avons vus.
Mais on apprend aussi qu'il y a des pilotes ivres. On apprend aussi qu'il y a des pilotes qui font n'importe quoi dans le cockpit. Il y en a d'autres qui négligent la vitesse de l'appareil et qui, du coup, entraînent des catastrophes. On ne les voit plus comme des super-héros, même si on aimerait que ce soit le cas. Lorsqu'un problème survient dans le ciel, nous présumons que tous les pilotes ont les compétences, les facultés de concentration et l'expérience pour nous venir en aide. La plupart du temps, les pilotes sauvent des vies. Mais parfois, eux aussi peuvent faire des erreurs. Tout de suite sur National Geographic Channel. Votre soirée sur National Geographic Channel, Nat Geo Wild et Voyage. À 20h40 sur National Geographic Channel, deux agents de la lutte anti-drogue tombent dans un guet-apens au cœur de la jungle colombienne. À 20h35 sur Nat Geo Wild, ornithorynque, chat marsupial, kangourou gris, Destination Wild vous initie au trésor caché d'Australie. Et à 20h55 sur Voyage, découvrez les secrets d'un site mythique d'Amérique, le mont Rushmore et ses portraits géants de présidents. Bonne soirée sur National Geographic Channel, Nat Geo Wild et Voyage. Barilla, les pâtes italiennes si délicieuses et al dente que chacun de vos plats méritera un... Bravo! Spaghetti numéro 5, Barilla, bravo à vous! Aussi maniable qu'un scooter, mais plus confortable. Aussi spacieuse qu'une calèche, mais plus performante. Beautiful horses. Yeah, I'm standard. Fiat 500X, le nouveau crossover. À partir de 16 490 €, tout équipé. Fiat. En ce moment, roulez connecté avec les originales 500 Live Edition. Nouveauté, Lego Duplo. Avec ses grosses briques pour leurs petites mains, apprenez-leur à reconnaître les objets et à les combiner ensemble. Faites-leur découvrir aussi les animaux de l'Arctique. Avec Lego Duplo, il y a plein de façons de jouer. Rejoignez Cristiano Ronaldo. Jouez au Spin & Go de PokerStars et vous pouvez gagner jusqu'à 1 million d'euros en quelques minutes. Devenez millionnaire avec PokerStars. Goes past one and another. Pogba. Pogba. Still Pogba. Pogba! Découvrez la pointe de sel de Paysan Breton. Un beurre avec juste une pointe de sel. Un goût entre le demi-sel et le doux. Nouveau, le beurre la pointe de sel de Paysan Breton. Ce matin, David Mercier affronte le rhume. Le rhume attaque avec un mal de tête. Il enchaîne avec un nez bouché, qui l'empêche de bien respirer. Il est fatigué. Mais pas KO. Vite, Rhinetville Rhume. Rhinetville Rhume, mettez le rhume.